Salut à toutes et à tous, c'est Farrakhan pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le quatrième épisode de ce let's play sur Mad Game Tycoon ou le deuxième épisode de ce restart. J'ai commencé à avoir 2-3 retours sur le premier épisode, sachant que je l'ai uploadé hier soir et qu'on est le matin, donc du coup il n'y a pas beaucoup de retours pour le moment. Mais ça me fait toujours aussi plaisir de voir que vous suivez la série et qu'elle vous plaît toujours autant. Merci les amis. Donc on va tout de suite attaquer les contrats. J'en ai profité aussi pour regarder les conditions que vous me donniez sur certains jeux, donc des noms ou autres. J'en ai quelques-uns qui sont accessibles pour le moment, donc là on va en refaire un tout de suite. Parce que j'ai ce qu'il faut normalement. On va regarder ça. Tac tac tac, on va juste finir ce contrat pour remonter un petit peu en argent. Moi j'ai monté le son dans mon écouteur, j'entends rien. Enfin, dans mon casque du moins. Alors, j'aimerais vérifier mon moteur. Technologie, il est à jour, oui. Est-ce que j'ai le 3D simple? Graphisme 4 couleurs, tac tac tac. Non, ah si, moteur 3D simple. Ok, donc ça c'est déjà une condition. Ok, j'ai ça. Ensuite, est-ce que j'ai technologique? J'en ai pas, ok. Mais ici, en thème, j'ai quoi déjà? Alien. Ok, bon, on va faire une petite recherche de thème, les amis. Hop. Toi, tu vas me faire une recherche de thème, je t'ai dit. De thème sur l'espace. Je vous explique pourquoi je fais ça tout de suite après. Hein. Hop. On va chercher les espace. Voilà, allez, faites-moi ça les amis. Et comme par hasard, il va au chiottes lui. Allez abruti. T'es payé pour aller pisser. T'es payé pour bosser. En plus ça rime. Bon, alors attendez. Sinon, c'est en même temps, je regarde. Ok, je regarde en même temps vos commentaires qui arrivent là en direct. Hop, contrat. Ça fera toujours de l'argent. 99 000 ce contrat? De Dieu! Non, j'ai pas le jeu tout simplement. En plus, les conventions là, ça tombe bien. C'est la Paris Games Week vient juste de se terminer. D'ailleurs, tiens, dites-moi dans les commentaires si vous y êtes allé. Moi, je sais que non. Puisque j'habite très loin de la pré-Games Week concrètement, à peu près 500 km. Voilà, donc dites-moi vous aussi si vous y êtes allé là durant ce week-end. Dites-moi surtout si vous étiez allé, si ça vous a plu. Et essayez de me convaincre d'y aller, bien sûr, puisque je pense y aller prochainement. Je pense l'année prochaine, je vais essayer de m'y rendre. Car c'est un endroit que j'ai toujours voulu y aller, je n'ai jamais eu la possibilité ou le temps. Bon, maintenant j'ai l'argent, mais j'ai pas le temps. Voilà, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires, moi ça me ferait plaisir vous y rejoindre si vous y allez l'année prochaine. Voilà les amis, donc là vous voyez, on a vendu notre moteur de jeu, et vous voyez qu'on nous a rapporté 36 000. Parce que du coup on a gagné les 25 000 d'achat plus 11 000 des bénéfices. Enfin 25% des bénéfices, ça veut dire 11 000. Donc ça c'est cool. Ça fait plaisir. Alors oui, donc vous allez me dire pourquoi tu fais des recherches sur l'espace, tu vérifies que tu as la 3D simple, etc, etc. Tout simplement... Oh shit. Crash des jeux vidéo. Ça c'est con. Tout simplement parce que comme je vous l'avais dit dans tous les épisodes précédents quasiment, je vous invite dans les commentaires à me donner des jeux que vous aimeriez que je réalise dans ce let's play. Donc, à donner un nom de jeu, un thème, pourquoi pas un genre aussi, par exemple FPS, je sais pas moi, jeu de simulation. Et donner pourquoi pas aussi quelques défis, des améliorations à avoir, enfin des contraintes. Et là aujourd'hui je vais accomplir réaliser le jeu de James Ward Killer, bon, un de ces trois jeux qu'il m'a proposé d'ailleurs. Ce n'est pas le tout premier qui m'est proposé dans les premiers épisodes, c'est celui qui m'a proposé dans l'épisode 2. Que j'avais pas, enfin par accident j'avais pas vu plus que ça. Il me demandait de faire un jeu sur le thème de l'espace, de genre arcade, tac tac tac, avec un minimum d'un moteur 3D simple et qui se nomme tac 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 Star Conquest. Conquest, je crois que ça s'écrit comme ça. Ouais, voilà. Donc ça c'est le jeu qu'il voulait que je vende. Donc on va tout de suite passer en classe A. T'as un jeu qui coûte 200 000, c'est abusé. Je suis en train de penser que je n'ai pas ouvert mes... Alors attendez, faut que je les retrouve. Ça devrait être rapide. Tac, tac, tac. Farrakhan. Voilà.
J'ai oublié d'ouvrir sur mon autre ordi. Donc ça, arcade, normalement, c'est ça. Vente au détail toujours. T'as 276 000 le jeu. Tu vois, James World Killer là, combien combien je paye pour ton jeu? L'intérêt qui marche, hein. Sinon, t'es viré. Non, je rigole. Bon, allez, ado. On va laisser ça comme ça. Hop, hop, c'est parti, mon kiki. On va faire cette console là. On va acheter un dev kit pour part du marché 15%. Publié en 82, on est déjà en 84. Je pense qu'on va faire son Nintendo MES plutôt en B+. Ok. Tac, ça va faire plus de public. Du coup, on va reprendre. Je vais voir s'il n'y a pas une nouvelle protection de jeu. Si, comme toujours. Hop, on va reprendre celui-là. Copier le concept. 2, 3, moins 2, 2, 3. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Hop, allez, on commence à développer ce jeu, les amis. Moteur 3D simple. Il y en a pour 357 000. Youpi! Sword. Enfin, James Sword Killer, tu me coûtes cher. Hop, tac, tac. Ça c'est bon, on va regarder si j'arrive à faire un bon jeu. Bon, ce sera pas extraordinaire vu que je n'ai pas encore les améliorations graphiques ou autres. Mais voilà, je vous l'ai dit, pour objectif, j'ai de gagner un masse d'argent pour pouvoir déménager et commencer à ajouter de nouvelles fonctionnalités. C'est l'objectif de cet épisode que je n'ai toujours, enfin que j'ai carrément zappé de mettre le timer. C'est un truc de psychopathe. Hop, voilà. Oh là là! C'est quoi ce programmeur imbécile là qui fait 5 bugs supplémentaires? 23 bugs! Wouhou! Alors attends, toi tu vas aller les aider. Tu finiras ta recherche après. C'est plus vous êtes, plus vous faites de bons trucs. Plus vous allez vite aussi. J'ai pas regardé ce que c'est dans les négatifs. Non. Dans 2 semaines il y a un nouveau négatif. On croise les doigts. Allez, allez. Hop. Alors on n'est pas là-dedans en normal. Et en négatif, on a quoi? Un RPG champion. Champignon. Un RPG champignon? C'est un RPG sur les Schtroumpfs ou quoi? Waza, on fait un de ces jeux. Enfin, un son de merde, mais bon. Un nouveau jeu contient quelques bugs. Le service de qualité est maintenant disponible. Ah ah, ça c'est cool. On a le service de qualité. J'ai toujours pas la place pour l'installer. Sauf si. Non, faudrait que je vire ça du coup. Parce que ouais, j'ai plein de trucs de disponibles les amis, mais j'ai pas la place pour. Faudrait vraiment que je déménage, mais j'ai pas assez d'argent. Faut qu'on fasse un jeu qui rock du poney. Et comme ça, ce sera cool. Cool. Le game crash, c'est bien que tu te termines pour que je gagne de l'argent. Le jeu va bientôt être terminé. Ouah, aïe aïe aïe, on a fait des records partout. En bug aussi, on a fait des records, hein, je confirme. Force, on a un jeu d'arcade, donc on a un jeu, on a un bon jeu quand même. On va vérifier ça tout de suite. 66%. Bah voilà, c'est quand même correct. C'est pas l'extase. Mais bon. Voilà, James. J'ai fait ton jeu. T'inquiète pas, on essaiera de l'améliorer par la suite. J'en ai encore deux à faire, dont un qui est assez short, qui va attendre un petit peu. L'autre, je vais pouvoir le faire rapidos, je pense, prochain épisode. Je vais essayer d'en faire un par épisode. Les bugs. Ouais, ça c'est le point négatif, c'est tous les bugs justement. C'est ça qui a fait perdre des points. Il y a quand même une cinquantaine de bugs, on va tout de suite corriger ça. 63 bugs, wadada. Donc on va le noter quand même, beaucoup de bugs. Donc diminution pourcentage. Hop. Allez, sortez-moi les bugs s'il vous plaît. Enfin, enlevez-moi les bugs parce que là, on va vite le regretter. Allez, vous êtes lents les enfants, vous êtes lents. Ok. Allez, mise à jour, tac, tac, tac. 36 000 la mise à jour, ah quand même. Alors, il va falloir que je sorte un service qualité. Donc, pour ça, on va peut-être optimiser les pièces. Oh putain, faut que je fasse un bon jeu là, sérieux. On est déjà en chute libre. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. J'avais oublié qu'il y avait le game crash de 50%. Oh, sortez-moi ça, sortez-moi ça. Bon, attends, on va supprimer la salle de repos là. Ouais. Vite, 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 vite. Putain, le jeu, je vais être en négatif, je vais perdre plein d'argent. C'est bon, il est sorti. Allez, ça devrait redynamiser les ventes. Ouais,
Ouah, c'était juste temps. Par contre, on arrive. Je pense que je vais pas réussir à remonter en positif sur ce jeu. Je le pense sincèrement. S'il n'y a pas le changement des 50%, là, je suis dans la merde. Hop là, excusez-moi. J'ai essayé de m'écarter du micro-casque. Je suis encore en négatif. C'est bon, les 50% sont partis. On va pouvoir faire de meilleures ventes. Ça c'est cool, on va continuer les mises à jour. Faut qu'on arrive à le sortir en positif ce jeu quand même. Ah bah voilà, là ça va se revendre. Comme quoi le game crash moins 50% il fait mal hein. Voilà, on a encore là Ghost and Zombie de Nintendo, enfin Mitendo. 87 000 nous rapporte, ça c'est cool. Il faudra donc que je continue à faire mes recherches pour améliorer mon moteur. Voilà, on est sur plusieurs plateformes, normalement ça devrait aller mieux. Wow, ça chute vite. Je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à passer en positif. Allez, sortez-moi cette mise à jour, dépêchez-vous. Wow, je la sors juste à temps à chaque fois. On va supprimer les chiottes aussi. Hop. Prendre de la place pour rien. J'ai vraiment du mal à vendre mes jeux. Hein. Bon bah ça sera pas un carton ce jeu-là, James, je suis désolé. Ouais, je m'en excuse, on va pas faire un grand carton sur ce jeu-là. Je vais arrêter les mises à jour parce que là ça va être vraiment de la déficit pure et dure. On a quand même remonté un petit peu. Mais ouais. On s'est un petit peu fait couiller avec ce jeu, c'est dommage. On va profiter pour faire les contrats. Ouais voilà, ouais c'est dommage, c'est fort dommage, ça me fait un petit peu chier d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se faire déjà un centre de qualité. Un petit. Avec un bureau. Pour limiter les dépenses. Et une personne, il me faut quoi comme personnel? Il me faut une personne douée en programmation et game design. Alors, embaucher du personnel, programmation. Ok, good. Ça, toi, tu vas résoudre les bugs des jeux. Ouais, ah, je suis déçu d'être à moins 140 000 là quand même. Ouais. Bon, toi, tu vas faire créer des rapports en attendant. Ouais, je suis vraiment dégoûté. On n'est pas dans le pire jeu de l'année, c'est déjà pas mal. Ouais, je suis franchement dégoûté d'avoir fait un jeu de merde. Enfin, pourtant, c'est pas un jeu de merde quand même, mais. Mais bon, c'est un jeu qui a pas beaucoup rapporté. C'est bien dommage. On va essayer de faire mieux. Donc là, on continue les contrats. Ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas switcher là. Arrête de courir partout! Voilà, continue à faire les recherches. Toi, tu vas aller l'aider en attendant. On va faire des recherches, on va améliorer notre moteur et on va sortir de nouveaux jeux. Voilà, donc James, je m'excuse d'avoir fait un jeu de merde. Mais bon, on améliorera ça pour le prochain épisode. Tac, tac, tac. Allez, faites-moi vos recherches, les amis. C'est bien, puis il y a des petits contrats, ça c'est cool. On va refuser tout ça parce que j'ai pas de salle de production encore. Je peux pas justement refuser, c'est dommage. Et ça, j'ai pas encore essayé. Tout, 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 tout. Hop, hop, hop. C'est parti. On rapporte un peu d'argent. C'est maintenant ça qu'il faut compter en moyenne 500 000 pour les. Enfin, ouais, 500 000 au moins pour les jeux. Surtout que là, avec les nouvelles améliorations technologiques. Ouais, tout ce qu'il y a! Je vais la rétrécir après cette salle, elle prend trop de place à mon goût. Donc aujourd'hui on va voir les améliorations de bugs les amis. Enfin le contrôle qualité du moins. Donc il y a deux points sur le contrôle qualité, il y a un point supprimer les bugs et un autre point améliorer le gameplay. Donc pour améliorer le gameplay il y a des recherches à faire que je ne ferai pas pour l'instant. On va attendre un petit peu plus de sortir de jeux de meilleure qualité.
Ok, donc ça c'est good. Il y en a un qui va aller. Bon, on va sortir une petite suite. Oh, on a sorti que du jeu d'arcade pour le moment. On va sortir la suite de Fish and Chip. En ado, toujours. C'est sur les poissons, arcade, poisson. On va le rajouter en jump and run. Du coup, en sous-genre. En plus, ça tombe bien, c'est un positif. On va faire du jump. On va plutôt faire du jump and run arcade. Non, arcade en jump and run, c'est pas mal. Notre moteur, comme toujours, Fish and Chips 2. Tac, tac, tac. Ok, on va se prendre les deux plateformes habituelles. On va acheter la dernière sécurité. Ok. Et on va reprendre mes concepts. C'était du Fish and Chips. Copier. Deck. On va prendre toutes les langues. Il y en a pour 300 000. Bon, bah, c'est déjà mieux. Tac, du coup, toi, tu vas revenir ici, ici, et tu vas faire supprimer les bugs. Voilà. Comme ça, elle va supprimer en direct les bugs, et ça évitera qu'on sorte un jeu buggé. Ce qui est quand même peu intéressant. On va engager une autre personne ou pas? Non. On a quand même 25% de hype sur celui-là. Hein. Vu que c'est une suite, à mon avis, c'est sûrement pour ça. Nouveau moteur disponible. Faut vraiment que je sorte mes nouveaux moteurs. Et pour ça, il faut faire un jeu qui cartonne pour gagner plein d'argent. Donc voilà, on va. Allez, on se le tente. On se fait une petite Paris Games Week. Hop, plus 2000 fans, ça c'est cool. On a monté à 31% de hype. Donc là, celui-là devrait bien se vendre. C'est cool. On va essayer de faire des records. On n'a pas beaucoup de personnes qui sont douées en son, j'ai l'impression ici. Ah, pourtant, si. Toi, t'es classique. Et toi, t'es. J'en sais rien. Toi, t'es un bon game design. Toi, un petit peu partout. Voilà, donc on fait des records un peu partout, à part malheureusement en son. Mais bon, on va bien trouver les moyens d'améliorer ça. Jouer avec la clé souris, putain, toutes les recherches technologiques, les amis, faut vraiment que je les fasse. Ça, c'est un truc important dans Mad Game Tycoon, c'est qu'il faut rester à jour point de vue technologie si vous voulez pas prendre du retard sur vos jeux et perdre de l'argent. Le problème, c'est que là, je perds beaucoup d'argent parce que je n'ai pas d'entrée d'argent, justement. 385 000, ça va vite descendre. On a vraiment un son de merde sur nos jeux, par contre. On a un putain de gameplay. Là, on va attaquer au graphisme. C'est ouais, c'est bien. Les bugs partent au fur et à mesure, donc ça, c'est vraiment cool. Oh, le gameplay de malade. Ah, mais c'est vrai qu'on avait mis 40% de gameplay et 20% de reste. Donc le reste, ça va être à peu près équilibré normalement. Voilà, là, on passe au son. Voilà, on rapporte 52 000. Ça, c'est cool. L'avantage d'avoir des merde. Ah, j'ai pas trouvé le nom. Des moteurs. Donc là, on va en faire un bon jeu, à mon avis. Tac. Alors, on n'a pas fait de record de son. On a quand même 3 bugs. Du coup, on va faire. Voulez-vous. Non! Bon, bah merde, on va le supprimer. On va le produire maintenant. C'est pas grave. Il y a que 3 bugs, donc ça va. Je suis en jeu d'arcade. Là, j'ai du jump and run. Là, j'ai de l'arcade. En une étoile, c'est tout? Ah, ils sont passés en combat, ces abrutis. Chiette. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément fait un bon jeu. On va se prendre celui-là. Hein. 65%, bonne combinaison de genre. Ça va, c'est correct. On va tout de suite faire un patch de bug. Toi, t'es malade en plus, connasse. On fait des rapports, toi, ça va t'entraîner. Tac, allez, sortez. Mince, sortez-moi les mises à jour, les cocos. Faut qu'on gagne un masse d'argent. Et ça, il faut. On a un bon battage médiatique, donc ça va bien. Ah oui, en effet, on a déjà vendu 14 000 cette semaine. Ouais, bon, voilà, on va vite passer en positif avec celui-là, je pense. C'est cool, les amis. Ouais. Faut juste sortir cette mise à jour assez rapidement. Voilà, ça y est, on est passé en positif sur ce jeu. On va voir si on arrive à faire un bon truc. Donc là, en fait, toi, tu vas faire annuler. Toi, tu vas aller là. Et tu vas aller là. Tu vas aller les aider à sortir ces mises à jour plus rapidement. On est dans rien du tout. On sait pas trop mal encore, ça va. On passe, on vend quand même bien ce jeu, ça c'est cool. En fait, James, si je te dis ton jeu là, en fait, il a pas bien marché, je sais pourquoi. Tout simplement parce que j'avais le game crash de 50% et c'est ça qui a foutu la merde. Tout simplement. Sinon, c'était un bon jeu en soi. Mais bon, on va faire une V2 plus tard et comme ça va rattraper le game.
Donc là on va gagner pas mal d'argent avec ce jeu là. Donc ça c'est cool. Par contre je ne sais pas du tout quand ça va être publié, parce qu'on va dire j'ai une longue file d'attente de rendu. Là j'ai un Bus Simulator épisode 4 qui est en cours. Après j'en ai encore deux autres qui sont en attente de rendu. Celui-là il sera pas publié avant au moins un jour ou deux. Allez, sortez-moi la mise à jour de Fish and Chips 2. Ça me fait délire ce nom. Fish and Chips. Hop. On a atteint les 1,34 millions. Ça c'est cool les amis. En plus on achète nos licences, ça c'est pas mal. Tac 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 tac. Contrôle qualité, on en a un. Est-ce qu'on se fait un service marketing? Ça coûte cher le service marketing, ça le problème. Est-ce que je peux m'en tenter? Maintenant il y a cette pièce là qui fait chier. Et si je me mets là, c'est de la perte de place. Non, on va pas s'en faire un maintenant. On va voir, j'improviserai pour le prochain jeu. Ou quoique. Allez, on se le tente. Soyons fous les amis. On va se faire un petit ça, on va se mettre un bureau. Allez, on investit. Tac. Service marketing, ils ont de la thune. Ok, et on va embaucher du personnel doué en travail de bureau. Voilà. Hop, les trompés de touche. Excusez-moi, j'espère que j'ai pas loupé trop de l'épisode. J'en suis rendu compte tout de suite normalement. Du coup, on va se faire une commercialisation sur notre jeu Fish and Chip. On va répéter automatiquement, arrêter une fois que ça atteint 100 de hype. Et on va se faire jusqu'à 12, jusqu'à 25, jusqu'à 38. On va se faire des posters jusqu'à 30. Ça va nous booster un petit peu la vente du jeu. Hop, j'espère ne pas parler dans le vide pendant que j'ai coupé. Normalement, j'ai coupé qu'une demi-seconde, donc ça va. Donc là, il y a d'autres recherches. Allez, hop, on va se faire les mises à jour encore une fois. Tac, tac. Donc aujourd'hui, on va voir le marketing et le contrôle qualité. Voilà, donc contrôle qualité, juste la suppression des bugs essentiellement. Le service marketing, ouais, j'en ai pas parlé parce que ça permet de faire de la pub pour augmenter la hype. Vous allez voir, là je suis à 18, ça va augmenter à la fin du poster. Et comme vous avez pu le voir, normalement il y a un nombre de cœurs maximal qui permet d'être atteint. Et il faut enfin dire, le battage médiatique s'arrête à ce niveau là quoi. Donc excusez-moi si je dis encore hype, la hype ça date des anciennes mises à jour quand c'était pas traduit. Et du coup, j'en suis un petit peu resté là-dessus. Donc là on fait un putain de jeu les amis. J'ai 1 million de bénéfices, la hype qui monte petit à petit. Les mises à jour par contre augmentent plus grand chose. Et bon normalement là on va pouvoir sortir un nouveau moteur. Enfin là une amélioration de notre moteur. Ce qui veut dire jeu encore plus cher. Allez on est fou, on va à la Paris Games Week. Tac tac, 3000 fans supplémentaires. Vous avez déjà nos mots finales. En gros on a accès au support, ok. Le support on va pas le faire maintenant. Donc du coup on va avoir plein de petits trucs comme quoi les Gugus sont pas contents. Bah ici on va voir comme quoi ils sont pas contents rapidement. 108 bits, hein, toutes les mises à jour, enfin toutes les recherches qu'il y a, c'est un truc de psychopathe. On va continuer un petit peu les mises à jour pour augmenter le bénéfice de ce jeu. Et je pense qu'on va rapidement arrêter, ce sera plus trop bénéfique justement. T'as du mal mon coco hein. Tac, intelligence artificielle. Ouais bon voilà je pense qu'on va arrêter. Waouh. Et un jeu qui nous a rapporté 290 000. Ça c'est cool. C'est l'avantage d'utiliser ses propres trucs. L'un de vos jeux a atteint suffisamment de points audio. Vous pouvez maintenant construire un studio audio. Vous pouvez y améliorer la musique et les sons. En fait j'ai quasiment tout débloqué les amis. C'est hallucinant d'ailleurs la vitesse à laquelle j'ai débloqué tout ça. Toi tu vas aller l'aider parce que là j'en ai marre que lui il avance pas ce banquignol. Oh 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 oh. Fini oui. Tac. 1,7 million. Je suis refait les amis, c'est un truc de malade. Donc ce jeu là on y va s'éteindre petit à petit. On va arrêter le market. On va arrêter maintenant d'ailleurs. Ouais c'est ça que je vous montrais en gros, c'est on peut faire la. Ouais ici, ici on peut faire des prospectus, magazines, posters, magazine international, radio et TV. Voilà, donc la TV ça permet de monter jusqu'à 100 de hype, la radio jusqu'à 75, magazine jusqu'à 50, jusqu'à 38, jusqu'à 25 et jusqu'à 12. Voilà. Voilà, voilà. Vous continuez les recherches. 1 million 1 de bénéfices, ça c'est cool. Fish and Chips 2. Comme quoi la suppression de bugs c'est fort utile, hein, parce que sinon on pleure rapidement. Et en plus en positif on avait les jeux. Ah non c'est les jeux d'anime.
Ok. Ça c'était chiant, parce qu'avant il y avait que des jeux positifs, et maintenant il y a des jeux aussi en négatif, et ça c'est chiant. Parce que faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Je ne fais jamais gaffe personnellement, mais faut faire gaffe. Bon bah ça avance bien cette histoire. Ça fait plaisir d'avoir une société qui avance bien. On a quasiment tout débloqué ici. Il manque le développement de console et le mouvement, salle de formation et salle des serveurs. Hop, ouais. Donc on va bientôt déménager les amis, parce que là on a bientôt plus de place pour avancer. Et ce n'est pas cool. Donc là aujourd'hui on a vu, comme j'ai dit, le marketing et ses contrôles. La prochaine fois on va voir plutôt tout ce qui est amélioration graphique ou son. Je ne sais pas encore. Ce sera au feeling. Ok, pour permettre d'avoir un bon jeu. Là j'ai juste envie de sortir une amélioration de mon moteur et après on va en rester là. Ça y est, ils sont pas contents les employés. Allez, sortez-moi cette putain de recherche. J'en ai encore une après, je crois. Ah, ils ont pas réussi à finir dans les temps. Bande d'abrutis. 156 000. Oui. Oh, ça devrait se faire. Allez, sortez-moi l'intelligence artificielle. S'il vous plaît. Tout, 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 tout. Oh putain, il y en a encore! Oh aïe 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 aïe. Donc toi, au lieu de te tourner les pouces, c'est quoi? Tu vas aller les aider? Je sais pas si j'ai la place de mettre le bureau par contre. Et non, et merde. Bon bah non, en fait, tu vas revenir. Hey! Reviens là! Il va avoir du mal à finir, ouais, à mon avis. Oui, on a encore des studios qui achètent notre licence, ça c'est cool. Enfin, une licence pour notre moteur. Crise économique. Aucun nouveau contrat de travail. Et merde. Et eux, ils vont le chier en plus, ce contrat de travail. C'est pas cool tout ça. Ouh. Ouah, juste à temps. Ouah, de Dieu. Bon, vous, on va agrandir la pièce. Parce que j'en ai marre que vous fassiez des conneries. Allez, faites-moi ces recherches. On va booster un petit peu les recherches parce que là, il m'en faut. Ici c'est offre édition, retirer chez marché, on s'en fout. Ouais bon là ils vont perdre à mon avis, supprimer les bugs, ouais. La pénalité supplémentaire, youpi. Allez, finissez-moi ça s'il vous plaît. Stink, et encore le son. Et pénalité, youpi, y'a plus de contrat en plus. Donc vous allez, allez, donc toi tu vas retourner dans ton truc marketing avant que je ne sache plus que t'étais là. Oh! Allez, allez les aider vous, hop, on va mettre deux bureaux. Tac, hop, ça va aller plus vite pour les recherches, comme ça je pourrais développer mon contrat facilement, enfin mon moteur. Mon petit moteur. Ok, good. Il y a encore des... Wow, aïe 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 aïe. Il va falloir que je fasse le B+, du coup. Non, pas participer. Et ça va être l'heure de se laisser, les amis. Allez, hop, 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 on se dépêche. J'ai jamais fait gaffe, les portes étaient vitrées, sérieux, c'est un truc de malade. Je sais pas si c'est une nouveauté ou pas, mais... C'est bon? Ça y est, ils ont enfin fini. Alors, tac, tac, tac. Toi, tu vas venir là, 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 ok. Et toi, tu vas me refaire la recherche technologique. Ben, c'est même pas 5B+, c'est A tout simplement. Recherche A. Si il y en a besoin, et vous, vous allez me développer un moteur amélioré. Celui-là en numéro 3. 200 000. Ok, c'est porté, mon kéké. Bon, toi, au lieu de te tourner les pouces, en fait, tu vas aller l'aider à faire de la recherche. Hop! Il y en a fort besoin. Hop! Non, alors il en est où? Oula, il est loin d'être fini, il est plus rendu. Ok, ouh, 383 000, ça c'est cool. Voilà, c'est voilà, je vous conseille vraiment de faire des moteurs. Le mieux c'est de faire un moteur pour chaque type de jeu
Enfin voilà, vous pouvez faire un moteur arcade, un moteur simulation, un moteur jump and run. Parce que les gens, les sociétés achètent les moteurs en fonction des jeux qu'elles veulent créer. Donc si elle veut faire un jeu de simulation, elle va acheter un moteur qui est spécialisé simulation. On va pas acheter un moteur spécialisé arcade. Donc pour nous ça change rien, pour eux ça change. Donc du coup c'est pour ça que c'est pas mal de développer ça. C'est fort utile. Donc là on va bientôt changer de préférence. Voilà, donc là c'est jeu d'énigmes qui sont passés à négatif. Ok, donc on finit ça et on va se laisser là les amis. Tac 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 tac, allez mon coco. On est à 1 500 000, ça fait plaisir. Ils vont finir quasiment en même temps, ça c'est cool. Donc le type A c'est fait, ça c'est fait, parfait. Donc toi tu reviens là. Toi tu reviens là, même si j'aurais d'autres recherches à te faire faire. Et on va en rester là, les amis. Voilà les amis, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Comme toujours, vous avez l'habitude du petit baratin habituel. Et bon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. Allez, bye bye.